C'est avec cette divine mélodie en symbiose avec des pas de danse que les agneaux, les ministres aux enfants ont célébré le Seigneur le dimanche 18 août au collège Le Pédagogue Cisaïa Moussoukro. Débordant de reconnaissance au Seigneur, les adorateurs ont rendu grâce à Dieu en témoignant de ses bontés envers eux, plus particulièrement du privilège de se repentir et d'être pardonné devant l'Assemblée des Saints, comme il est écrit dans Psaume 86, le verset 5. « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Moi, c'est la sœur Jade, une question divine, Eunice. Je voulais dire merci à Dieu parce qu'il m'a accordé de faire ma repentance hier. Au nom de Jésus, amen. Moi, c'est la sœur Blanche Ariel. Je veux dire merci à Dieu lui-même qui m'a permis de faire ma repentance hier. Au nom de Jésus-Christ, amen. Dieu, voyant ses bien-aimés réunis, a suscité le dirigeant de la zone spirituelle du Bélier, le pasteur Denis Tala, pour proclamer de riches bénédictions à son peuple. Il a d'entrée de jeu montré la place des enfants dans le cœur du Seigneur Jésus et dans l'œuvre de Dieu en se servant du passage biblique de Marc 10, le verset 13 au verset 15. Jésus l'a dit, non, amenez les enfants ici, c'est eux-mêmes qui doivent être ici, vous là. C'est bon avec vous, hein, mais je préfère les enfants. Parce que les enfants... ils ont un cœur docile. Vos cœurs sont purs. Gloire à Dieu. Vous voyez que Jésus aime les enfants. Quelqu'un a dit quelque chose quelque part un jour. Ça m'a beaucoup touché. Il dit, la première conquête. Jésus avait commencé la première... Dieu avait commencé la première conquête avec Adam et Ève. Ils ont commencé étant vieux. Ils étaient déjà grands. Dieu a fait jusqu'à... ça a raté. Et parce qu'ils ont commencé étant déjà grands. Donc la deuxième conquête, Dieu a commencé avec Jésus. Donc il a commencé avec le bébé petit à petit, petit à petit, petit à petit, et ça a réussi. En s'adressant aux grandes personnes, il a demandé à ceux-ci d'avoir des cœurs humbles comme de petits enfants. Sinon, ils n'hériteraient pas du royaume des cieux selon Matthieu 18, le verset 1. Au verset 4. Jésus a même dit aux grands, vous êtes grands comme ça. Si vous voulez aller au ciel, il faut que vous rabaissez pour venir comme des petits enfants. Sinon, vous n'allez rien comprendre dans cette affaire du ciel-là. Que si vos cœurs ne deviennent pas comme les cœurs des petits enfants, vous n'allez même pas y arriver. Gloire à Dieu. Ça veut donc dire que quoi? En réalité, ce sont les enfants qui peuvent arriver au ciel. Les grands ne vont pas y arriver. Qui a compris ça? Les grands ne vont pas arriver au ciel. Tu es grand, il faut devenir petit. Tu es petit, c'est bon. Ayant lui-même cru au Seigneur à l'âge de 16 ans, le pasteur Tala a ouvert les yeux des enfants sur les trésors qu'ils sont et ont en tant qu'enfants bénis et sauvés par Dieu. Il les a donc exhortés à payer tout le prix qu'il faut pour garder cette bénédiction. Ta bénédiction là, faut savoir la protéger. Parce que le voleur, là, il veut te priver de tes bénédictions. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce ministère rendu à Vacances en Christ. Parce que vraiment, c'est une grande bénédiction. Avoir des enfants qu'on entretient pour les aider à mieux saisir Christ, c'est une grande bénédiction. Donc, quand je viens parmi les enfants, il y a beaucoup d'espoir avec les enfants. Les enfants sont merveilleux. Que nous avons compris par rapport à l'exhortation et par rapport à tout ce que Jésus dit. Et pour notre retour. Alléluia. Bâtir les enfants en Christ, c'est une grande richesse. C'est un message bien saisi, tant par les ministres aux enfants et par les enfants eux-mêmes. Je suis la sainte Gesson Chèque-Séphèle et pour faire du mon rachet. Je veux dire merci à Dieu. Pour le pasteur Tala, lui qui a prêché, il a dit, nous les enfants, nous sommes bénis et nous devons protéger notre bénédiction. Et je dois protéger ma bénédiction. Je suis la sœur Gudorine et j'ai pour fidèle des disciples, la sœur Gracienne Meunier, épouse Tchakounté. J'ai compris qu'on devait mettre les enfants en tour, que ce soit l'intercession, FTVC, SEMEUR. On doit impliquer les enfants dans tout ce que nous faisons pour que les enfants grandissent avec ce qu'ils apprennent. Cette adoration ne pouvait s'achever sans le don offert par le couple apôtrier
et leur co-ouvrier à ses hôtes. Ces cadeaux sont devenus une tradition à vacances en Christ.